N'écoutez pas les gens qui disent non, quand tu prends un deux doigts, ça fait une division dans la famille. Vraiment, ça c'est. Voilà, ça c'est encore. L'Afrique a encore frappé. Donc, puisque le sein est beau, il y a des femmes qui ont de gros seins. Donc, si vous voulez faire comme ça, la femme ne peut pas. Il faut faire une petite pression, ça réduit un peu le mamelon, et puis vous mettez dans la bouche, et puis vous l'aidez tout doucement. Et souvent, quand le mamelon est gros, enfin, une, deux fois, ça le fatigue, ça fatigue ses mâchoires ou sa bouche. Donc, il arrête. Mais soyez patient, il arrête. Vous le laissez, vous le tenez encore. Il prend un peu, il va prendre. Mais il faut que l'enfant soit bien placé. Et vous-même, quand vous êtes assise là, il faut que vous soyez bien assise. Parce que si vous n'êtes pas assise confortablement, vous allez avoir du mal à aller. Il va dire que tu es comme ça. Vous savez, ouh, Seigneur. Mais il faut que vous soyez bien assise comme ça, bien comme ça. Souvent, quand la chaise est haute là, vous mettez un petit tabouret, donc vous avez le pied calé comme ça. Quand le pied est calé comme ça, là, ça monte un peu, ça soutient un peu le bas ici. Hein? Et puis maintenant, l'enfant est tenu comme ça. Bon, votre ventre, la nuque ici, dans le coude ici, le sein, vous êtes à l'aise. Là, vous pouvez faire des mouvements comme ça. Quand c'est comme ça, le bébé est à l'aise, soit-même tu es à l'aise, oui, tête. D'accord? Donc, il faut toujours bien assise aussi. C'est bon? Voilà. Je vous montre vraiment toutes ces techniques-là parce que.